Uchiha ta ta. Ata ta. Uchiha. Ata ta mboyo. Tamboyo. Tamboyo. Yeah. Uchiha mulopwe. Uchine miana. Uchiha. Atata wamboyo, tamboyo, tamboyo, ye. Atata wamajesi ifana. Seba. Ilombelo yami. Ilombelo yami. Yeah. Tango ya kobe ngazambalo le. Ilombelo ya mi. Ilombelo ya mi. Ilombelo ya mi. Ilombelo ya mi. Voici le temps est arrivé, le temps de ta saison. Amina, le Dieu que nous cherchons. Alléluia, Amina. Amina, yo.
Shalom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, dans l'espérance que vous vous portez bien. Si vous me captez bien, dites-moi 5 sur 5. Si vous arrivez à me capter, pardon, dites-moi 5 sur 5 si vous me captez. J'attends que quelqu'un puisse me dire 5 sur 5. Et puis nous allons commencer. Merci de partager la vidéo avec vos frères et sœurs. Je vais partager avec vous un très bon message qui va nous faire beaucoup de bien. Merci de partager la vidéo. Est-ce qu'on peut partager? Nous partageons la vidéo. Merci de partager. Et dites-moi 5 sur 5 si vous me captez. Si vous me captez, dites-moi 5 sur 5. Merci de me dire 5 sur 5. Ok. Très bien. Père Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à ton nom. Nous te bénissons, nous te remercions du fond de cœur. Merci pour ces programmes. Merci de parler par ma bouche pour bénir quelques personnes qui sont au son de ma voix. Au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, je prie que ton sang nous purifie et que ta grâce soit abondante sur nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de partager, de continuer à partager la vidéo avec vos frères et sœurs. Amen. Alors, aujourd'hui, je vous propose un enseignement sur comment distinguer un rêve satanique et un rêve divin. Et les différentes sortes de rêves que vous pouvez faire. En même temps, je vous signale déjà le programme que nous aurons dans le ministère. La semaine prochaine, nous allons commencer 7 jours de jeûne et prière. Le thème sera « Briser le barrière spirituelle ». Nous allons prier pour briser les barrières spirituelles à partir de la semaine prochaine. Tout ce qui constitue une barrière, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, tout ce qui constitue une barrière dans votre vie, barrière dans le mariage, barrière au travail pour la promotion, barrière au niveau de la santé, toutes les barrières spirituelles, nous allons le renverser au nom de Jésus-Christ. Préparez-vous, ça sera un long moment de jeûne, ça sera une semaine jeûne et prière. Manger tard et puis on ne va pas boire. Ceux qui prennent le médicament vont dormir par terre. Mais nous resterons dans la présence du Seigneur pour briser toutes sortes de barrières spirituelles. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Donc voilà, retenez déjà ces programmes. Et la semaine prochaine, je vais commencer un séminaire sur les démons tueurs d'enfants. Les démons tueurs d'enfants. Si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, vous devez suivre cet enseignement. Même si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas encore d'enfants, il faut connaître ces choses pour savoir comment protéger vos futurs enfants. Et vous-même, vous allez peut-être vous retrouver pour savoir les événements, les choses que vous avez vécues dans votre passé. Peut-être ça vous a aujourd'hui changé, ça a tué quelque chose en vous. Et ça va vraiment vous aider, surtout si vous êtes jeunes parents, comment vous pouvez sauver la vie de vos enfants par rapport aux attaques démoniaques. Vous devez savoir que les enfants sont des cibles sataniques. Jésus aime des enfants. Il a dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Satan les sait. C'est pour cela qu'il cible les enfants. Il cherche à les détruire par plusieurs manières. Et je vais vous montrer les domaines par lesquels les démons passent pour détruire les enfants et comment ça se passe. Et ça sera un enseignement très riche et ça va nous bénir. Déjà, la semaine d'après, comme je l'ai dit, c'est une retraite. Et comme je vous avais dit, cette retraite n'a pas d'hôtel. Ce sera une retraite, tout le monde pourra participer. Une retraite qui sera ouverte à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'hôtel à faire. Seulement, à la fin de la retraite, à la dernière, le dernier jour de la semaine, nous allons offrir à Dieu les offrandes d'action de grâce. Parce que une action de grâce, c'est une reconnaissance envers Dieu de ce qu'il a fait. Même quand on ne voit pas encore, mais on peut rendre gloire à Dieu et le remercier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je commence mon enseignement d'aujourd'hui. Je vais partager sur les rêves. Alors, ce que vous devez savoir, la Bible déclare, quand il y aura de prophètes, la Bible dit, quand il y aura des prophètes parmi vous, Dieu a installé deux manières pour parler. Il a dit, je parlerai soit par la vision, soit par le rêve.
Je vais vous donner les versets tout à l'heure. Quand il y aura des prophètes parmi vous, je parlerai de deux manières seulement, soit par des visions, soit par le songe. La vision et les songes sont des canaux de communication que Dieu utilise pour instruire les hommes, pour les épargner dans beaucoup de dangers et dans beaucoup de difficultés. Mais dans la vision, il y a plusieurs dimensions de vision. Nous avons des visions en extase, où vous pouvez tomber en extase et vous commencez à voir des choses. Il y a des visions ouvertes, où vous êtes là en train de regarder. Au lieu de voir votre télévision, vous voyez autre chose. Ça, ce sont des visions ouvertes. Il y a plusieurs sortes de visions, des visions panoramiques, mais nous y reviendrons un jour si Dieu le veut. Mais Dieu a dit, il parlera aux hommes à travers des visions et à travers le rêve. Sachez-le, mes bien-aimés, depuis la création jusqu'en ce jour, Dieu, pour communiquer aux êtres humains, s'il ne passe pas par des visions ou par des voix audibles, Dieu passe très souvent à travers le rêve. Et le rêve est un moyen que Dieu a choisi pour instruire les humains. Ici, vous devez savoir, le rêve n'est pas l'apanage des chrétiens. Même les païens peuvent rêver. Même les chrétiens peuvent rêver. Parce que c'est un moyen que Dieu a décidé. S'il veut faire passer sa pensée aux êtres humains qu'il a créés, il utilise le rêve. Nous avons trois sortes de rêves. Le premier rêve est un rêve divin. Un message que vous recevez, Dieu vous parle à travers le songe ou à travers le rêve. Merci de partager la vidéo. Amen. Il faut partager, ça motive l'enseignant. Il faut partager. Des fois, je ne fais pas les lives parce que je me dis, ce que je donne, j'ai tellement donné. J'ai plus de 1100 vidéos sur notre chaîne YouTube. J'ai donné toutes sortes d'enseignements. Et des fois, quand je vois les gens n'interagissent pas dans les enseignements, ça me fait mal. Parce que les gens suivent des fois des choses qui sont olé olé, des choses qui ne bâtissent pas, des choses qui ne construisent pas. Ce sont les enseignements qui vont vous éliminer, qui vont vous donner la perception de la délivrance. Vous voyez? Quand vous ne comprenez pas l'enseignement, même la délivrance devient difficile. Et ici, c'est une chaîne où vous trouvez des enseignements de qualité. Je vous assure, parce que même mes frères et sœurs, pour ceux qui me suivent sur d'autres plateformes, reconnaissent que je suis parmi les meilleurs enseignants de combat spirituel et l'enseignant de la Bible. Donc, quand vous êtes là, il faut vraiment prendre des blocs-notes, écouter des choses qui vont vous aider. Excusez-moi de vous le dire de cette manière, il y a des pasteurs qui font la coupure d'électricité. Il faut toujours s'habituer avec nous. Si vous voyez une coupure, ça veut dire que c'est l'électricité, le temps de relancer pour que nous recommençons de partager, continuer à partager. Donc, nous étions en train de dire que nous avons trois sortes de rêves. Merci à ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, continuez à partager. Merci de repartager encore parce que nous avons eu un petit souci. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons trois sortes de rêves qui existent. Trois sortes de rêves. Nous avons un, le rêve divin. Ça veut dire un rêve qui vient de Dieu. Voilà, un rêve qui vient de Dieu. Vous comprenez? Et les rêves qui viennent de Dieu, c'est ce que nous appelons un message. Un message que Dieu nous donne. Dieu nous communique sa pensée par rapport à notre destinée et à notre avenir. Deuxième rêve que nous avons, c'est le rêve humain. Les rêves humains, la Bible dit, par de multitudes de pensées de la journée, nous pouvons avoir des rêves. Et la Bible le dit, quand on a trop de pensées, on a pensé à quelque chose toute la journée, quand on va aller au lit pour dormir, nous pouvons rêver la chose que nous avons pensée. Peut-être pour quelqu'un qui a faim et qui rêve de manger un bon McDonald's, et puis jusqu'à tu fais tous les restaurants, les drive McDo, tout s'est fermé, alors tu vas dormir sans pour autant manger ton McDo. Tu peux rêver en train de manger les McDo. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas aussi un rêve divin. C'est parce qu'il y a eu des pensées. Tu as dormi avec une pensée et cette pensée t'a poussé. Cette pensée a été transformée à une image ou à une vision et tu commences à rêver cela. Le troisième rêve,
c'est les rêves diaboliques. Les rêves diaboliques, ce sont les rêves qui viennent du diable dans le but de nous induire dans l'erreur. Alors, comment savoir que le rêve que vous avez fait, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Comment distinguer un rêve de Dieu et un rêve satanique? C'est là, là où les choses doivent être dites. Premièrement, un rêve qui ne vient pas de Dieu, un rêve satanique, c'est un rêve qui est rempli de beaucoup de confusion. Voyez, vous faites un rêve que vous-même, vous ne comprenez pas vraiment. Même quand vous essayez d'expliquer à quelqu'un, vous n'arrivez pas. Ah, j'ai rêvé, j'étais au Gabon, et puis au Gabon, c'est comme si ce n'était pas le Gabon, c'est comme si c'était Cameroun, et puis une partie, c'était comme la France et la Belgique. Donc, ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas les mots justes et corrects pour expliquer ce que vous avez rêvé. Sachez-le. La Bible dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion est un signe important qui prouve que Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être un désir d'investir. Ça peut être que tu es dans quelque chose. Si tu es dans quelque chose, ça peut être une relation, une affaire. Si tu es confus, sachez-le que Dieu n'est pas là. Dieu ne nous laisse jamais dans la confusion. Partout où il y a la confusion, même dans une relation, il y a trop d'ambiguïté. Il y a beaucoup de confusion. Il n'y a pas la paix. Sachez-le que Dieu n'est pas là. La première des choses pour savoir que Dieu t'a parlé, même si tu n'as pas encore l'interprétation, tu auras la paix et tu n'auras pas la confusion. Tu auras une ferme conviction que Dieu va m'aider à comprendre le message que voulait me transmettre. Et dans le rêve satanique, il y a une atmosphère et une tonalité déprimante. Vous voyez, vous serez tellement déprimé dans les rêves. Vous voyez, vous pouvez même vous réveiller avec une grosse sueur sur le corps. Hein? Vous voyez, vous êtes en train de rêver, puis ouf, vous vous réveillez. Donc, vous voyez, Dieu ne peut pas te faire peur. Dieu ne fait pas peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut être dur en parlant à ses enfants, mais il le fait toujours avec amour. C'est un père, il est amour lui-même. Quand il te parle, il te parlera avec amour. Même si tu as péché, même si tu as fait du mal, il te parlera avec amour, parce qu'il est amour. Mais quand Satan vient, il va le faire avec beaucoup de brutalité. Dans ses rêves, il y a trop de mélancoliques. Il y a trop de mélanges, de tristesse, beaucoup de mélancoliques. Dans des rêves sataniques, là, le premier point. Toujours, dans ses rêves, c'est indéfinissable, ce genre de rêve. Tu ne peux pas le définir, tu ne peux pas l'expliquer. C'est indéfinissable. C'est quelque chose qui est comme ça, qu'on ne peut pas expliquer. Sachez-le que, et quand tu vas rêver de cela, la première des choses, ça va te mettre dans une confusion. Et cette confusion peut te prendre toute la journée. Toute la journée, au point où tu n'arrives pas à comprendre et à discerner cela. C'est très ténébreux, ce genre de rêve, et ça nous laisse dans des émotions sombres. Deuxième point pour savoir que ce rêve est un rêve satanique, pour le distinguer avec un rêve divin et un rêve satanique. Deuxième point, c'est la crainte et la panique. Quand tu rêves, tu es trop paniqué dans les rêves. Au point où tu te réveilles, tu n'arrives pas à dormir, tu es en train de trembler. La question est celle de savoir pourquoi Dieu le ferait. Pourquoi Dieu va te mettre dans cet état de panique? Toute la nuit, tu n'arrives plus à dormir, tu es paniqué, tu réveilles tout le monde, tu t'accroches à côté de ta maman. Pourquoi Dieu va le faire? Dieu ne fait pas ce genre de choses. Et si tu te retrouves dans un tel rêve, sachez-le bien aimé dans le Seigneur, tu es face à un rêve satanique. Et il faut briser cela, le chasser loin de toi et demander la paix de Dieu. Et tu demandes à Dieu de mettre la paix dans ton cœur. Et que Dieu enlève la confusion pour que tu puisses dormir dans la paix et dans la joie. Troisième point, dans des rêves sataniques, vous allez remarquer, c'est les esprits séducteurs. Un songe qui ne vient pas de Dieu, c'est un songe qui vient te séduire par un esprit trompeur. Et cet esprit trompeur vient avec la fausseté.
voyez? La fausseté. Ça viendra avec la fausseté. Mais dans le, il faut comprendre quand tu fais des rêves. Il faut savoir, des fois, on peut créer une confusion même entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et ton père. Mais il faut savoir maintenant, si tu connais bien ton père, tu connais son identité spirituelle, tu peux distinguer et savoir que ça, c'est une fausseté. L'ennemi prend le visage de mon père parce qu'il est distrait, parce qu'il ne prie pas bien ces derniers temps. L'ennemi prend son visage pour me confondre. Voyez, pour me mettre en difficulté. Voyez mes bien-aimés. Ce genre de rêve, mes bien-aimés dans le Seigneur, où il y a trop de panique, trop de crainte, on te poursuit avec la hache dans une forêt. Pourquoi Dieu va te poursuivre avec une hache dans une forêt? Pourquoi? Pourquoi Dieu va le faire? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il commence à te poursuivre avec une hache? Voyez, c'est l'ennemi qui vient avec ses rêves sataniques dans le but de te détruire et dans le but de te faire du mal. Fais très attention, chers frères et sœurs, avec l'esprit de fausseté. J'ai vu beaucoup de gens rester dans la fausseté par le rêve. Un rêve, moi-même je sais, mais j'essaie d'expliquer à la personne ne veut pas me croire. La personne est convaincue que ce qu'elle a vu dans les rêves, ça venait de Dieu. Et ces personnes ont bâti malheureusement leur vie, leur mariage, leurs relations amoureuses sur des songes qui ne venaient pas de Dieu. Et la finalité, c'est que ces personnes finiront leur vie déprimées, dans les soucis, jusqu'à se suicider, parce que ces personnes n'ont pas su distinguer les rêves qui venaient de Dieu et celui qui ne venait pas de Dieu. La fausseté là, Satan peut l'utiliser aussi à travers nos pensées. Quand on a de faux raisonnements, comme la Bible l'interdit dans les livres des Corinthiens, nous devons éviter de faux raisonnements. Quand tu as de faux raisonnements, de fausses pensées, tu es amoureux d'un homme, tu le regardes tous les jours à l'église ou au travail, et puis quand tu rentres, Satan va utiliser cette fausse pensée, cette mauvaise pensée, mauvais raisonnement, et tu vois cet homme apparaître dans ton songe en train de vouloir s'accoupler avec toi, de flirter avec toi. Toi, tu dis, bon, ça c'est l'homme de ma vie, je vais attendre. Et ça fait 6 ans aujourd'hui, tu ne fais qu'attendre, tu ne fais qu'attendre, tu ne fais qu'attendre. Cet homme ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu avais de faux raisonnements, de mauvaises pensées. Satan a pris ces mauvaises pensées-là, il a utilisé cela en image, dans une vision, pour te parler et pour te confondre comme quoi Dieu t'est parlé, alors que ce n'était pas Dieu, c'était un rêve satanique. Amen. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, donc vous devez comprendre cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce que vous devez savoir, pourquoi les gens font souvent des rêves sataniques? Pourquoi les gens font très souvent des rêves sataniques? Pourquoi les gens font très souvent des rêves sataniques? Voilà. Pour bien rêver, pour bien recevoir de Dieu le message, le canal, être un canal de Dieu pour recevoir le rêve, il vous fait aussi préparer. Vous préparez. Vous devez savoir que le rêve est une grande richesse, le rêve. Parce qu'il n'y a pas un moyen par lequel Dieu peut te parler comme par le rêve. La Bible dit dans Job 38, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent lorsque nous dormons dans le profond sommeil, Dieu parle aux êtres humains à travers le rêve. Et dans les rêves, il se cache même votre avenir, même votre destinée. Se cache à l'intérieur. Voyez? Voilà pourquoi Satan aime voler des rêves. À peine tu te réveilles, 2 minutes, même pas une minute après, tu as déjà perdu ton rêve. Tu vois? Pourquoi tu as perdu ton rêve? Parce que si ton rêve n'avait pas de l'importance, pourquoi Satan veut le voler? Pourquoi Satan veut que tu le perds? Tu le perds parce que ton rêve est tellement important et ta vie se cache à travers les rêves. Amos 3, 7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler les choses. Et la manière dont Dieu utilise pour révéler les choses à ses serviteurs, le prophète, Dieu passe
toujours à travers le rêve ou par des visions. Alors, si vous rêvez, vous ne rêvez pas, c'est un danger. Si vous rêvez, vous n'arrivez pas à interpréter vos rêves. C'est comme une lettre que vous avez reçue, mais vous n'avez pas lu ces rêves, cette lettre-là. Donc, vous n'avez aucune information. J'ai la lettre, mais je n'ai pas encore lu. Donc, il n'y a aucune information à ma possession. Il faut se préparer pour que l'ennemi ne vole pas votre rêve et qu'il ne vous envoie pas des rêves sataniques. Premièrement, il faut soigner les canaux. Vous voyez, pour que les bonnes choses vous arrivent, il faut que les canaux soient propres. Vous devez vous sanctifier, vous purifier. Avant de dormir, il faut prier, demander à Dieu de vous pardonner, de laver vos pensées, de briser des forteresses, des faussetés, des faux raisonnements que vous avez dans votre tête. Il faut dire à Dieu, sanctifie-moi de ce que je vis, je fais. Et tu vas maintenant dormir. Et quand tu vas aller dormir, tu vas préparer le canal. Et Dieu va passer par là. Vous voyez? Des fois, vous savez, quand vous regardez la radio, les ondes, vous voyez, les ondes sont autour de nous. Mais si vous n'ajustez pas votre radio sur la bonne fréquence, vous ne pouvez pas capter. Le problème des fois, ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous parler, mais vous n'utilisez pas vos canaux comme il faut pour recevoir la fréquentation. Deuxième des choses, ne dormez pas avec des inquiétudes. La plupart des gens qui dorment avec des inquiétudes bouchent leurs canaux, empêchent à leurs canaux de communiquer, de recevoir la pensée de Dieu. Évitez les inquiétudes. Troisièmement, la colère. Ne dormez jamais avec la colère. La Bible même nous interdit, d'aller jusqu'au soir avec la colère. La Bible nous interdit cela. La Bible refuse que nous allons jusqu'au soir avec notre colère. Pourquoi? Donc, il ne faut pas encore aller au sommeil, au lit avec votre colère. Parce que si vous allez au lit avec votre colère, la colère va devenir, va boucher votre canal. Et quand Dieu voudra vous parler, il trouvera la colère. Et cette anxiété, cette colère, ces sentiments de vengeance va empêcher à Dieu de vous parler. Amen. Alors, on va aller un peu vite pour que je clôture. N'oubliez pas le programme. Pas cette semaine, la semaine d'après, nous commençons notre retraite d'une semaine de jeûne où nous allons prier sérieusement pour renverser, briser de barrières. On va briser de barrières. Chaque midi, on aura la prière avec Onésime pour briser de barrières. Et moi, je vais enseigner et lui, le soir, il viendra pour à midi, prier avec vous pour briser de barrières. Cette retraite, elle est gratuite, il n'y a pas d'hôtel. Mais à la fin, chacun va faire une offrande d'action de grâce à la mesure de ce qu'il a reçu par la foi que Dieu lui a donnée. C'est la semaine qui commence, la semaine prochaine, la retraite sera la semaine d'après, mais la semaine qui commence, je vais enseigner sur les tueurs, les démons tueurs d'enfants. Voilà, je reviens. Nous n'avons pas seulement des rêves sataniques, nous avons aussi des rêves divins. Mais dans les rêves divins, nous avons des différentes sortes de rêves divins. Nous pouvons en avoir même 15, même 20. Différentes sortes de rêves divins. Premièrement, nous avons des rêves d'édification. Vous voyez, vous pouvez obtenir déjà un de mes livres sur Amazon. Vaincre sur Amazon, vous pouvez déjà trouver un. Je suis en train de vouloir lancer mon livre sur le mari et le femme des nuits. C'est un meilleur livre. Ça sera un meilleur livre sur les terres. Vous pouvez aussi prendre les liens d'âme et d'autres livres que j'ai déjà écrits. Voilà. Alors, j'étais en train de parler. Le premier rêve, c'est le rêve d'édification. Pourquoi Dieu nous donne des rêves d'édification et qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire, les rêves d'édification? Les rêves d'édification, c'est un rêve que Dieu nous donne
lorsque nous sommes désespérés, lorsque nous avons des soucis, lorsque nous avons des inquiétudes, des fois nous partons dormir avec plein de soucis, plein d'inquiétudes, plein de problèmes. Dieu viendra à travers le rêve. La nuit, lorsque nous dormons, il va nous parler. Il va nous montrer un rêve. Et pour savoir que vous avez reçu un rêve d'édification, vous allez vous réveiller avec l'enthousiasme. Par exemple, vous êtes en Belgique ou en France, ça fait 10 ans que vous n'avez pas de papier. Alors qu'il y a un travail, vous travaillez avec le papier de quelqu'un, la personne a récupéré ses papiers pour entrer au chômage, et du coup, vous ne devez plus travailler. Vous dormez avec des soucis, avec l'inquiétude, parce que vous ne savez pas comment payer votre loyer dans les 2 mois qui arrivent. Et voilà que pendant que tu rêves, tu te vois à la préfecture, on te remet une carte de 10 ans où on te donne un passeport parce que on a accepté ta demande d'asile. Voyez, tu as dormi avec des soucis, mais quand tu vas te réveiller en ce moment, tu n'as pas encore la carte de séjour. Tu n'as pas encore le passeport. On ne t'a pas encore donné. Mais le fait seulement que tu as rêvé, que tu as vu que tu étais à la préfecture, on t'a donné ta carte de séjour, ou c'était un problème de mariage ou d'enfant. Tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à te marier, mais tu fais un rêve, tu te vois, tu te maries, un grand mariage dans un grand hôtel où tu as accouché, tu as eu des jumeaux. Tu ne les as pas encore, les enfants, tu n'as pas encore cet homme ou cette femme-là, mais tu te réveilles avec l'enthousiasme parce que Dieu t'a envoyé un message à travers les rêves pour t'édifier. Le but, c'est ça. Vous voyez, le but, c'est que Dieu voulait que tu sois émerveillé, que tu saches qu'il ne t'a pas oublié et il t'envoie le rêve d'édification. Et les rêves d'édification changent la vie et résout aussi l'incertitude. Dieu nous envoie le rêve d'édification là où il y a l'incertitude, là où il y a des ambiguïtés. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va nous arriver. J'ai 42 ans, 44 ans. Pas d'enfant, pas de mariage. Tu as plein d'ambiguïtés, plein de soucis, plein d'incertitudes. Et quand tu vas aller dormir, en ce moment-là, Dieu vient t'instruire. Dieu vient de te parler. Dieu vient de te rassurer. Dieu vient te dire que voilà ma fille, je vais faire ceci. Je vais les donner. Je ne suis pas un homme. Je vais accomplir ma promesse. Et tu rêves comme ça. Parce que Dieu vient de t'édifier. Qu'est-ce qui arrive alors quand tu rêves? Il faut écrire les rêves. Et lire les rêves très souvent. Savoir si ce rêve est déjà accompli, tu barres. Si ce n'est pas accompli, tu as dit j'attends ces rêves. La Bible a dit dans Habakkuk 2, écris la vision, grave là sur le mur. Deuxième sorte de rêve. Ce sont des rêves de réconfort. Les rêves de réconfort, pourquoi Dieu nous les donne? Dieu nous donne les rêves de réconfort pour soulager les mauvais souvenirs que nous avons reçus. Je donne un exemple. Peut-être tu as un parent, ta mère est décédée ou ton père est décédé, un membre de ta famille qui est mort. Mais tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien, tu as beaucoup de mauvais souvenirs. Mais un jour tu dors comme ça, tu vois, tu te retrouves au paradis. Et là, au paradis, tu te vois avec ta sœur qui est déjà décédée avec les anges, en train de danser, en train de louer. En fait, le but, c'est que Dieu a vu que tu as un mauvais souvenir. Il veut te soulager. Il veut te dire que ne t'inquiète pas pour cette personne décédée. Cette personne se trouve dans un bon endroit. De fois même, la personne peut se révéler en toi, dans le songe, en train de te dire, ne regrette pas, n'aie pas trop de soucis. N'aie pas trop de soucis, je suis dans un bon endroit. Des fois, ton père lui-même te dit, ne vous inquiétez pas. Des fois, tu le vois en train de rire, de sourire avec toi. Des fois, tu le vois rajeuni. Il est dans un endroit ou dans un jardin, il est à l'aise. En fait, Dieu t'envoie justement ses rêves pour te dire, ne t'inquiète pas pour papa, ne t'inquiète pas pour maman, ne t'inquiète pas pour ton frère, il est dans un bon endroit, il est au repos. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Voilà. Troisième sorte de rêve. Troisième sorte de rêve. Ce sont des rêves de direction. Des rêves de direction.
Pourquoi faisons-nous des rêves de direction? Pourquoi Dieu nous les donne? Les rêves de direction sont des rêves très, très importants. D'ailleurs, je parlais des rêves de réconfort. Dans le rêve de réconfort, on peut le voir aussi dans Genèse chapitre 28 avec l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob était en train de fuir son frère, Ésaü avait dit « Je vais tuer Jacob ». Jacob a fui, il était déprimé. Il ne savait pas qu'est-ce qui lui allait lui arriver. Il ne voulait pas voler la bénédiction de son frère. C'est sa maman qui l'a enfoncé dans cette affaire. Maintenant, il se retrouve devant le problème. Il fuit son frère. Il ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. Et il dort dans une ville qu'on appelait Luz, Bethel. Il dort là. Et là, il rêve. Il voit les anges monter, descendre et commence à les rassurer. Dieu lui a dit, moi-même, je partirai avec toi. Moi-même, je reviendrai avec toi. Donc, si en ce moment, tu traverses l'incertitude, tu traverses beaucoup de questionnements, d'ambiguïté, je prie que cette semaine, que Dieu te parle, qu'il te révèle des choses, qu'il te montre des choses qui vont te donner la paix et qui vont te donner la tranquillité en sachant qu'il ne t'a pas oublié et il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Dernier rêve pour aujourd'hui, c'est les rêves... C'est les rêves de direction. Les rêves de direction, c'est un rêve d'urgence. Lorsqu'une personne est face à un choix, à une décision importante, ou un choix important de sa vie, tu as besoin d'une direction. Tu veux partir à Londres pour travailler, tu veux envoyer ta fille à l'internat, tu veux te marier avec quelqu'un. Et en ce moment-là, les rêves que Dieu te donnera, c'est un rêve de direction. C'est comme ça qu'il faut prier Dieu et demander à Dieu de te parler. Et qu'il te donne un rêve de direction. Les rêves de direction, c'est un rêve d'urgence. Le but derrière ces rêves est de te donner une direction précise que tu dois suivre pour ta vie et pour ta destinée, afin que tu ne tombes pas dans l'erreur. C'est ça, le sens de ces rêves. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains d'entre nous ici, nous avons besoin de ces rêves ces derniers temps. Que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle, qu'il nous donne la direction de savoir où est-ce que nous devons partir. Dans des rêves de direction, ce sont des rêves où vous vous voyez soit sur un chemin, soit dans un bus, soit dans une voiture, soit à l'aéroport. Oui, c'est possible. C'est possible. Vous voyez? Toutes ces choses-là, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont des rêves de direction. Alors, maintenant, il y a des choses que vous devez faire très attention. Lorsque vous rêvez que vous avez raté un bus, vous avez raté un vol, ce n'est pas du tout bien. C'est que vous avez passé à côté d'une direction que Dieu était en train de vous donner. Dieu voulait que tu puisses prendre ces bus pour montrer la direction. Et si dans les rêves tu as raté le bus, il faut retourner dans les rêves, prier et demander à Dieu de te montrer la direction et de reprendre ces bus-là. Pareil pour les avions. Maintenant, il y a d'autres personnes qui prennent quand même les bus, mais qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Ça veut dire que tu t'engages dans la bonne direction, mais tu n'as pas les repos. Parce que s'asseoir, c'est un signe qui veut simplement dire que tu as trouvé les repos. Tu es dans ta destination, tu es dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose qui t'échappe, tu n'es pas assis, tu n'as pas de place, tu n'as pas les repos. D'autres personnes peuvent faire des rêves. Vous avez vraiment pris le bus. Ça va dans ta direction. Mais au lieu de descendre dans un arrêt, Château Rouge ou Porte de Namur, tu dépasses. Tu vas descendre à la gare du Midi. Ou tu vas descendre à Saint-Plon. Tu descends très loin. Au lieu de descendre là où tu devais descendre. Là, ça veut dire que tu as pris la bonne direction, mais tu as raté l'accomplissement de quelque chose qui devait se manifester dans ta vie en ce moment-là. C'est pour cela que tu es descendu loin. Tu as raté l'arrêt. Et comme tu es descendu très loin,
Tu es toujours dans la bonne direction, mais ça va te demander des efforts pour revenir encore dans l'arrêt où tu devais descendre. Ce sont des personnes qui se trouvent dans la direction divine, mais qui vont fournir encore des efforts pour que ces personnes voient l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, parce qu'elles sont descendues sur le mauvais arrêt. Vous voyez? Maintenant, si vous trouvez, vous rêvez que vous avez pris votre bus ou votre voiture, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, aucun malheur ne peut vous arriver sans que Dieu vous parle. Les temps, les années que j'ai vécu avec Dieu, je peux vous dire avec assurance, quand un problème t'arrive, une chute t'arrive, c'est que Dieu t'avait parlé, mais tu as négligé les rêves. Tu n'as pas vraiment considéré ces rêves. Tu as vu ça, bon, c'est juste un rêve. Vous voyez? Mais sachez-le, si vous avez rêvé que vous avez pris une voiture et que vous êtes parti dans une fête, au retour de votre fête-là, vous êtes rentré seul dans la voiture. Vous n'avez pas vu votre femme, vous n'avez pas vu vos enfants qui étaient partis avec vous. Ça veut dire qu'il y a un divorce qui est en train de planer. Si ce n'est pas un divorce, c'est la mort. Parce que c'est ta destination. La voiture, c'est ta destinée. Vous êtes dans une direction, vous êtes arrivé. Maintenant, au lieu de rentrer avec ta famille, qui était avec toi dans ta destinée, maintenant tu rentres seul. Ça veut dire que les personnes qui sont manquantes dans cette voiture-là, ce sont des personnes qui vont se séparer de toi d'une manière ou d'une autre, soit par un divorce, soit par la mort. Il faut prier sérieusement pour renverser cela. Retrouver votre mari et vos enfants. Vous pouvez aussi rêver que vous êtes dans une voiture et dans cette voiture-là, vous êtes dans la bonne direction, mais vous vivez une crevaison. Le pneu est troué. Ça veut dire que vous êtes dans votre destination. Vous êtes dans la bonne direction, mais vous allez connaître un esprit de retard. Un esprit de retard. Parce qu'il est temps de réparer le pneu. Ce n'est pas que vous avez quitté le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Mais il est temps de changer de pneu, de réparer, de remplacer. Ça va retarder. Ça veut dire que si quelque chose devait arriver dans un an, ça peut être repoussé dans deux ans. Mais tu es toujours sur le bon chemin et la chose va arriver. Maintenant, quand tu te réveilles, prie pour annuler, pour renverser et récupérer ce qui est à toi et refuser tout ce qui est retard. Briser cela au nom de Jésus-Christ pour que tu entres dans ta destination. Maintenant, une dernière des choses que je peux vous dire, c'est que quand vous rêvez que vous voyagez en avion, bénissez le Seigneur, parce que ce que Dieu veut faire avec vous, il va le faire très rapidement. Parce qu'avec un avion, on peut faire 1000 km par heure. Avec une voiture, on peut faire 120-130 km. Ça dépend si vous êtes en Allemagne, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais si vous rêvez que vous voyagez avec un vélo, vous êtes en train de voyager, un long voyage avec un vélo, refusez ce voyage-là parce que tu vas beaucoup souffrir. Ça veut dire où est-ce, là où tu es en train de partir. Les rêves des toilettes, je l'ai déjà parlé de ça, Myriel. Tapez seulement sur la chaîne le rêve des selles ou le rêve des toilettes. J'ai expliqué ça en profondeur. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est juste pour rappeler quelque chose. Mais j'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur les rêves. Il faut savoir que le rêve des toilettes, c'est un rêve de délivrance. En gros, je le dis rapidement. C'est quelque chose qui est en toi qui est en train de sortir. Ça veut dire que Dieu veut te délivrer, faire sortir quelque chose en toi. Maintenant, si tu rêves que tu es dans une toilette et que tu es constipé, ça ne sort pas, ça veut dire que ta délivrance est bloquée. Tu es bloqué avec ta délivrance. Alors, je reviens sur ce que je suis en train de dire parce que toutes ces choses-là, vous les trouverez sur ma chaîne. Tapez seulement « Être actif dans les rêves ». J'ai expliqué les rêves des chaussures, les rêves de la nourriture, les rêves de tout. J'ai expliqué tout. Tout. Si les chaussures sont jolies, si ce sont des chaussures de sport, si ce sont des chaussures trouées, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tout expliqué. En tout cas, vous allez vous régaler si vous cherchez. Vous voyez? Alors, ici, si vous voyez en train de voyager avec un vélo,
Papa. Il faut sortir de ces rêves-là, briser ces vélos-là, chercher une voiture. En fin de compte, parce qu'avec les vélos, tu vas trop souffrir, tu seras fatigué, tu vas arriver là où tu dois arriver, mais en retard et fatigué. La dernière des choses, si tu voyages avec la voiture ou l'avion, si la voiture fait l'accident, si l'avion fait le crash, il faut faire très... J'ai parlé aussi des rêves des poissons. Vous trouverez cela. Il y en a tout là-bas. Voyez, si l'avion fait le crash ou ta voiture fait l'accident où tu te trouves, ce n'est pas un bon rêve. Ça veut dire sur le chemin de ta destination, là où tu es en train de partir, tu vas rencontrer des situations qui vont te briser, qui vont te détruire. Ce n'est pas forcément que tu vas mourir, mais tu vas rencontrer des situations et des personnes qui vont te briser et qui vont te mettre dans des situations très difficiles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous m'avez manqué. J'avais tellement envie de faire une vidéo pour vous. Je voulais commencer directement avec le barrière spirituel. Comment briser le barrière spirituel et comment Satan ferme les ciels pour que les gens ne puissent pas recevoir. Comment on met des barrières sur le ciel pour que la bénédiction n'arrive pas. Mais on va commencer ça la prochaine fois et ça va nous conduire avec un programme de jeûne, de prière sérieuse. Nous allons prier et nous allons ouvrir nos bénédictions avant la fin de cette année. Tu dois te marier, faire tes enfants, concevoir, recevoir des bénédictions, tes papiers et toutes choses. Pour le reste, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Si l'enseignement a été très intéressant, cliquez sur le pouce d'en haut. N'oubliez pas de nous laisser une offrande volontaire. Le peu que vous pouvez avoir, 5 euros, 1 euro, 2, 10, 20, 30, 100, selon vos moyens. Et si vous voulez soutenir le ministère, n'hésitez pas, le numéro est là, par message, WhatsApp ou notre compte PayPal qui est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les bénis, mon moi, vous allez clôturer le vendredi avec le pasteur Rebecca. Elle s'en excuse sérieusement parce que elle est tellement prise, tellement débordée. Et je sais, moi-même, je vois, je demande pardon pour elle. Vendredi, vous allez clôturer avec le pasteur Rebecca sur Zoom. Bénis, mon moi, d'avril. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cliquez sur le pouce d'en haut. Je vous aime beaucoup. Je vous dis shalom et à très bientôt. Shalom chez vous.